Le CD2E est un pôle d'excellence sur les éco-activités. Notre action consiste à accompagner les acteurs économiques et les collectivités vers ce qu'on appelle l'éco-transition. Il s'agit de passer, de faire la transition entre le modèle actuel et un modèle qui soit soutenable. Et cette transition, c'est d'abord une transition énergétique, on en parle tout le temps. C'est aussi une transition plus large, c'est l'écologique. Et finalement, c'est une transition économique parce qu'il s'agit de modifier notre façon de vivre tout simplement. Le CD2E travaille sur trois axes principaux. D'une part, le bâtiment durable, c'est-à-dire la construction neuve ou la rénovation de bâtiments performants. Les énergies renouvelables et en particulier l'énergie solaire. Et enfin, l'économie circulaire, c'est une économie qui va réduire l'impact environnemental, c'est-à-dire en réduisant les déchets, en allongeant la durée de vie des produits ou en produisant des produits avec peu d'impact environnemental. Le travail consiste d'une part à accompagner les collectivités locales ou les entreprises sur leur façon d'acheter des produits ou des services, donc à travers du conseil, des formations. Les acteurs économiques, et bien là encore, c'est à travers de l'information qui est diffusée, de l'accompagnement, de la formation, de l'organisation de clubs d'entreprises sur des thématiques comme la construction en paille, la maison passive ou les énergies renouvelables par exemple. Il y a déjà beaucoup de choses qui se font pour aller vers cette transition, vers un nouveau modèle économique. Il s'agit d'accélérer tout cela, faire en sorte que d'exception, ces démarches deviennent la norme.